Bonjour à tous, c'est Arsène. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec ma copine Mathilde, direction Istanbul pour la finale de Ligue des Champions. Ça va être une folie. Merci à PlayStation qui nous invite. On va voir le match en VIP. Il y aura une expérience incroyable pendant ce séjour. On aura la PlayStation House. Ça va être oufissime. Plus également le match, bien sûr, Manchester Inter Milan. Le lendemain de la finale, je vais jouer sur la pelouse, la même pelouse, avec deux joueurs normalement exceptionnels. L'année dernière, c'était avec Kaka et Roberto Carlos. La vidéo a été incroyable. Donc, petit trailer également de cette vidéo, vous allez kiffer. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bah oui. Mon plan, les billets. Regardez comme ils sont beaux, les billets. Direction Istanbul. Qui gagne? Man City, Inter. Man City. Man City. Et qui marque? Allende. Classique. Classique. Bienvenue dans la PlayStation House. Mon commentaire, c'est exceptionnel. Vous l'avez vu, la PlayStation House était vraiment hyper sympa. On a pu croiser quelqu'un, faire du contenu avec lui qui sortira un peu sur tous mes réseaux. On est actuellement le jour du match, le samedi soir. Donc on va à la finale et on a reçu plein de petits cadeaux, des maillots, tous les deux. Regardez, on a reçu ça en arrivant dans l'hôtel. Très sympa. Plus. Des petits ballons comme ça. Comme ça. La caution. Et un petit livre également sur la finale de la Ligue des Champions, voilà, pour s'informer un petit peu. Nous sommes arrivés au Champions Village. On aura des places VIP grâce à PlayStation et ça commence par le Champions Village. C'est parti. On y est au Champions Village. Voici toutes les marques partenaires de la Ligue des Champions. Direction maintenant dans la loge PlayStation. On est parti pour le match, la finale des champions. Let's go! Nous y sommes derrière moi, le Atatürk Olympic Stadium. C'est parti, je vous emmène avec moi à vivre cette finale de Ligue des Champions. Wouh! Nous y sommes, accès 316, en numéro 10, ce sera juste derrière. La vue franchement est magnifique. Maintenant on espère une très belle finale. En numéro 10, on est en train de descendre les marches, on va finir sur le terrain. Les places sont vraiment incroyables. Nanias qui est en live avec nous juste à côté. Prêt pour vivre une soirée de malade, on espère. Franchement, je sens que ça va être pas mal. Les supporters de l'Inter font vraiment une ambiance de dingue. Manchester City pour l'instant c'est un peu plus calme, mais après le score peut tout changer. L'ambiance de l'Inter Milan, c'est un truc de dingue. En termes de supporters, ils ont gagné et de loin. Alors on mange. Incroyable. L'Inter Milan, truc de dingue. Le spectacle est terminé maintenant. Place au football. C'est parti pour la finale. C'est parti. Ça passe à deux doigts. Bernardo Silva, j'ai annoncé buteur. 2-0, Silva à Londres. Oui,
France. Ici commence enfin à mettre sa domination. 1-0 va arriver. Kevin De Bruyne, les amis, il peut être blessé. 30e minute, plus grosse action du match, c'est ça. Ouais, c'est la plus grosse pour l'instant. C'est la mi-temps ici entre l'Inter de Milan et Manchester. Pour l'instant 0-0, c'est vraiment pas le meilleur match. L'Inter défend très bien, De Bruyne est sorti, il y a eu un seul tir pour le Haaland. On attend mieux en seconde période. Nous sommes sortis du stade, la victoire de Manchester City pour cette finale de Ligue des Champions. Bravo à eux, premièrement. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de l'ambiance du match? Écoute, moi je savais que ça allait gagner, je l'avais dit depuis le début. C'est vrai, elle avait annoncé une victoire de City, mais City s'est fait peur sur la fin. Dernière occasion, ça s'est joué vraiment à... Ça s'est joué à rien, la prolongation pour l'Inter. Mais c'est pas terminé parce que demain, je suis où? Sur le terrain, les amis. Sur le terrain, demain matin, alors que les joueurs viennent juste de jouer ici, dans quelques heures, on sera nous en tribune sur le terrain.